Pour tout vous dire, la vie d'un pêcheur, c'est une belle vie. Le pêcheur, c'est un privilégié. On se nourrit de ce qu'il y a dans l'eau. On vit à côté de la plage, on s'y baigne. On a cette vue merveilleuse. On est en contact avec cet air pur du matin et en osmose avec l'environnement. Nous sommes les fils des Caïcaras, les petits-enfants d'indigènes qui habitaient la baie de Guanabara. Il faut respecter notre habitat. C'est ça notre rêve, une baie de Guanabara saine, pour que nos fils et nos petits-enfants puissent en profiter et qu'ils puissent devenir pêcheurs comme nous. La baie de Guanabara possède encore beaucoup de richesses. Il y a beaucoup d'eau propre qui vient des montagnes. Mais aujourd'hui, nous vivons l'enfer de l'industrialisation, le pétrole, les usines autour de la baie de Guanabara. Et tous les jours, on voit les problèmes s'aggraver. L'écologie, la biologie de la baie a changé. Nous sommes les premiers affectés. Et en même temps, nous sommes les gardiens, les surveillants de cette nature. Tous les jours, on prend le pouls de la baie de Guanabara. Prends-le comme ça, et après tu le tiens de côté. Avant, en 5 minutes, il y avait des poissons. On utilise beaucoup, beaucoup de filets. Probablement 2000 mètres pour pêcher une seule boîte de poissons, maximum. Notre paradis est en train de disparaître et si nous ne faisons rien, il risque de se transformer en enfer. D'ici 50 ans, il pourrait ne plus y avoir de pêche ici. J'ai l'honneur d'annoncer que les 31e Jeux Olympiques sont attribués à Rio de Janeiro. 2 octobre 2009, la ville de Rio obtient l'organisation des Jeux Olympiques d'été pour 2016. Une reconnaissance, une vitrine pour le Brésil et encore plus pour la capitale touristique du pays. Rio, son Christ rédempteur, son pain de sucre, ces plages d'Ipanema et Copacabana mondialement connues, des cartes postales où tout le monde, les athlètes en premier, rêvent un jour de se rendre. Une bonne partie des épreuves aquatiques se dérouleront dans la baie de Guanabara, au nord-est de la ville. Là encore, vu du ciel, le lieu est enchanteur, mais l'envers du décor l'est beaucoup moins. La baie est jonchée de déchets et nombre de ses rives sont devenues des dépotoirs. Certains égouts s'y déversent directement et plusieurs plages sont devenues impropres à la baignade, malgré les promesses des politiques en vue des JO. Ici, c'est censé être la carte postale de Rio. Vous y croyez, vous? Les JO, ici? C'est une blague? En 30 ans, la baie est aussi devenue l'arrière-cour de l'exploitation des champs pétroliers au large de Rio. Des raffineries, des tankers, des plateformes, et les catastrophes environnementales qui vont avec. Marée noire, fuite de produits chimiques et autres polluants déversés par les industriels en toute impunité. Habitants, écologistes, pêcheurs dénoncent depuis des années une catastrophe annoncée, parfois au risque de leur vie. Après tous ces attentats, j'ai eu très peur. Mais maintenant, je ne crains plus de mourir. Si un jour je ne suis plus là, je crains plutôt pour ma famille, mes enfants et mes amis. À la rencontre de ceux qui se battent pour sauver Guanabara, enquête au cœur de la baie des cauchemars. Non, 9 mars dernier, au petit matin. Aux abords de l'aéroport international, dans la baie de Guanabara, un drôle de bateau-poubelle entame déjà sa deuxième tournée. Il y a des jours où le bateau est rempli jusqu'ici. On peut à peine se déplacer. Après, on doit tout décharger dans les conteneurs. Et si on a le temps, on retourne dans la baie et on recommence. C'est notre routine. Dijao est éboueur marin. Depuis janvier 2014, il travaille dans le cadre du programme EcoBoat. Comme lui,
Une dizaine de salariés tentent tous les jours de nettoyer la baie, devenue, bien malgré elle, la décharge de Rio, et même pire. Près de l'île, on a déjà trouvé un cadavre. Des corps criblés de balles qu'on a balancés dans l'eau. On trouve tout. Des animaux, des frigos, des fours, des micro-ondes, des lave-linges, de tout. Parfois, on voit les passagers des ferries jeter leurs gobelets dans la mer. Je me dis, mince, si les gens avaient vraiment conscience des conséquences, cette baie serait beaucoup plus propre et facile à nettoyer. Après tout, on travaille pour le futur de nos enfants et de nos petits-enfants. Trois bateaux à l'origine, puis six, puis dix. Et récemment, une flottille de bateaux plus petits est venue compléter le dispositif. C'est un travail d'équipe. Quand ils voient beaucoup d'ordures, ils nous appellent pour qu'on leur file un coup de main. Et quand c'est nous qui voyons des ordures, par exemple des détritus éparpillés sur les rochers, on les appelle pour qu'ils nous aident avec leurs bateaux, qui sont plus petits. Et 10 bateaux, ce n'est pas un peu juste pour tout nettoyer ? Si, c'est impossible. Pour bien travailler, il nous en faudrait encore 2 ou 3, minimum. Sauf que pour ça, on a besoin d'argent, et ça devient difficile. Depuis quelques semaines, Dijao n'est même plus payé, mais il garde la foi. Vous voyez, ça c'est déjà un salaire. C'est notre récompense. Les gens admirent notre travail, ils trouvent ça génial. Parfois, ils nous soutiennent et nous interpellent. Félicitations, grâce à vous, la baie redevient belle. Est-ce que la baie sera propre pour les Jeux ? Oui, je pense que c'est possible. On peut tout nettoyer avant les Jeux Olympiques. Et tout le monde pourra nager autant qu'il le voudra, si Dieu le veut. Pour la baignade, il faudra attendre. Le 3 avril dernier, le projet EcoBoat, jugé inefficace par le ministère de l'Environnement, a été suspendu. Dijao et ses amis avaient malgré tout retiré de la baie pour la seule année 2014 430 tonnes de déchets. Les autorités ont préféré l'option des éco-barrières. À l'embouchure des rivières, elles bloquent les détritus avant qu'ils n'arrivent dans la baie. Une solution encore loin d'être idéale. Pour ceux qui vivent la baie au quotidien, le constat est toujours aussi amer et l'inquiétude grandissante. Martine et sa sœur Kaena sont championnes du monde en 49er, une des disciplines de la voile olympique. Elles défendent les couleurs du Brésil. Pour elles, la pollution de la baie représente un danger pour les athlètes qui régatent ici. Je suis venue de l'autre côté de la baie en bateau et j'ai dû contourner plusieurs fois les déchets. Les déchets flottants, un danger, et aussi le risque de fausser la compétition. Je pense que le plus gênant, ce sont les sacs plastiques parce qu'on ne les voit pas. Et les objets qui flottent juste au-dessous du niveau de l'eau, car l'eau est sale. Parce qu'ils restent coincés sur la dérive et ça peut renverser ou abîmer le bateau. Et nous, on risque de se faire mal. On naviguait et en pleine régate, un sac plastique s'est coincé dans le gouvernail. Ça nous a beaucoup perturbés. Martine et moi, on n'arrivait pas à l'atteindre. Le bateau allait trop vite, impossible à attraper. On n'arrivait pas à enlever le sac, donc il est resté là jusqu'à la fin de la course. C'est horrible quand ça arrive en compétition car on perd beaucoup de vitesse et les autres bateaux vous dépassent. Les oncles de Martine nous ont raconté comment c'était avant. Ils prenaient un bateau et ils allaient là-bas pêcher, plonger, passer un week-end. Aujourd'hui, c'est impossible. On ne peut même plus rentrer dans l'eau. Une situation connue aujourd'hui du monde entier. Récemment, en Asie, un petit film d'animation satirique pour dénoncer cette extrême pollution a fait le buzz sur le web. Les médias taïwanais ont diffusé une vidéo. Les athlètes montent sur le podium
Ils reçoivent leur médaille et commencent à vomir et à déféquer. Ou alors, ils sont en train de ramer, mais ils perdent les rames dans l'eau sale et ils se mettent à ramer avec les mains. Ce sont des choses absurdes, mais en réalité, ça pourrait bien nous arriver. Et là, par exemple, il y a un poisson mort, ça vous paraît normal? C'est normal, malheureusement. Ce n'est pas normal, mais ici, à la baie de Guanabara, on voit ça souvent. Malheureusement, on voit ça tous les jours. À votre avis, qui pollue le plus à Guanabara? Tout le monde le fait un peu. On ne peut pas accuser quelqu'un en particulier. Vous pensez que les égouts de ces maisons sont évacués où? On n'a pas d'assainissement ici. On ne peut pas dire que les gens des favelas sont ceux qui polluent le plus. Mais moi, je dois polluer. Le bâtiment où je vis déverse peut-être ces égouts ici. Oui, c'est notre faute. À moi, à Martine, à nous tous. La propreté de la baie, ça commence avec l'éducation et les infrastructures. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas la garder propre. Égouts mal raccordés, population peu sensibilisée à l'écologie et infrastructures défaillantes, la liste des maux qui affectent la baie est longue. Rio s'étend sur une superficie 10 fois supérieure à celle de Paris et compte plus de 6 millions d'habitants. Pour se rendre compte de l'ampleur des problèmes, il faut prendre un peu de hauteur. Mario Moscatelli est un biologiste connu et reconnu au Brésil. Régulièrement, il tire la sonnette d'alarme pour alerter l'opinion publique. Ça fait 20 ans que je survole la ville de Rio de Janeiro et que je la prends en photo pour dénoncer. Je voudrais montrer à tous comment la baie se dégrade. Malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. La détérioration est de plus en plus grande. Ce que dénonce Mario Moscatelli, c'est l'urbanisation anarchique et continue de la ville, notamment à travers ses favelas. Regardez juste en dessous. Il y a les jardins Gramachos. Ce sont des dépotoirs clandestins. On jette tout là-dedans, sans aucun contrôle. Ça contamine le sol. Toute cette zone va probablement se transformer en une nouvelle favela. Regardez, tout ça, ce sont des dépotoirs clandestins. Personne ne les contrôle. Les pouvoirs publics n'ont plus aucune emprise ici. Favela dépotoir, déchets ménagers rejetés directement dans la baie, une pollution visible de tous, au sol comme en l'air, mais pas forcément la plus préoccupante. Regardez, tout est pourri à cause des égouts et des ordures. C'est quoi cette couleur dans l'eau? C'est de l'eau polluée, non traitée, chargée en métaux lourds. Regardez la couleur de l'eau sur la lagune de Jacarepaguá. Cette eau verte que l'on voit dans les lagunes, c'est dû aux cyanobactéries. Elles viennent de la pollution des égouts. Regardez là, au croisement des deux canaux. C'est de l'eau pourrie qui nourrit les cyanobactéries. Certaines espèces de ces micro-organismes peuvent donner le cancer. Ces fleuves sont complètement pourris. À l'origine de cette pollution bactériologique, toujours cette urbanisation non contrôlée et des infrastructures de traitement des eaux qui n'ont pas suivi. Regardez, ça c'est absurde. C'est la station d'épuration d'Alegria. Elle ne fonctionne qu'à 50%. Quel est le problème avec cette station? Ils n'ont pas posé les canalisations entre la station et les quartiers les plus pauvres. Ce qu'on nous avait promis, l'engagement écologique pour les JO, c'était bien différent. C'était la restauration de toute la baie. Bien sûr, cette restauration, c'était important pour les JO, mais surtout, c'était primordial pour les Carioca. Mais ils n'ont pas tenu leurs promesses. La ville se modernise, d'accord, mais les problèmes restent toujours les mêmes. Des problèmes qui s'étendent.
Depuis plusieurs années, la pollution n'est plus cantonnée à la baie de Guanabara. Même les belles plages de Rio, les plages touristiques comme Copacabana, Ipanema ou Barra, sont parfois touchées. À chaque marée, toute la contamination de la lagune va jusqu'aux plages de Barra. Ça veut dire que c'est pollué jusqu'ici ? Exactement, toute l'année. Et jusqu'à l'autre bout de la plage ? Non, pas complètement, ça dépend de la météo. Un océan de polluants, des rives de la baie transformées en décharges et des autorités publiques indifférentes, la situation empire d'année en année à Rio. De retour au sol, Marco Moscatelli tient à nous montrer en quoi les politiques publiques en matière d'environnement sont aberrantes. Nous sommes sur les berges du canal du Fundão. De l'autre côté se trouvent les chantiers navals. C'est l'un des lieux les plus contaminés de la baie de Guanabara. Mais grâce au travail qu'on a réalisé il y a 3 ans, on a pu restaurer ce paradis. Ici, la nature a besoin de très peu pour renaître. Ça a coûté beaucoup d'argent, parce que c'était un projet de revitalisation du canal de Fundão. C'était un projet du secrétariat pour l'environnement, mis en marche par le gouvernement précédent. On a fait un dragage de ce canal et j'ai dirigé la restauration des berges. Tout ça, ce n'était que de la boue et des déchets. Pour le transformer, on a dû modifier les lieux, la topographie, la hauteur de la zone. Et ensuite, on a replanté la mangrove. Ici, il y a une couche de végétation qui forme une barrière. Mais regardez ces déchets. Tout ça avant, c'était propre. En 2012, tout était parfaitement propre. Malheureusement, ça a été pris en charge par le secrétariat pour l'environnement. Et bien qu'il ait été prévenu plusieurs fois qu'il fallait préserver la zone, le secrétaire a fait la sourde oreille. Et tout le travail fait jusque-là, tout l'argent public investi, a été jeté à la poubelle. Ça, c'est la réalité du développement durable quand les caméras ne sont pas là. On peut parcourir le canal du Fundão pendant 10 km. On ne verra que ça, que cette dégradation. C'est comme ça la gestion publique au Brésil. On investit beaucoup d'argent pour la restauration d'un espace, mais on ne fait aucune maintenance et on revient à la case départ. C'est de l'argent public jeté à la poubelle. Et ça, c'est Rio de Janeiro. Voici l'entrée internationale de Rio de Janeiro, la ville olympique, à 4 mois des JO. Regardez l'état. Cette ville ne pourrait même pas accueillir une fête de fin d'année. Cette région, elle résume bien le drame de la baie de Guanabara. On peut voir la croissance chaotique, l'absence de politique publique de logement, l'occupation désordonnée des bassins versants. Les rivières sont transformées en décharges où se déversent les égouts. Et toutes ces ordures circulent par les canaux et arrivent jusqu'à la baie de Guanabara. Le problème de la baie n'est plus environnemental, il est criminel. Lanceur d'alerte, Mario Moscatelli a plusieurs fois été menacé de mort, mais il continue son combat. À 20 km de là, sur la rive opposée, en amont de la rivière Macacu, le village de pêcheurs d'Itambi. En pleine zone protégée, la petite communauté est pourtant touchée elle aussi par la pollution de la baie.
pas recebendo, tá aí. Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. A federação, ela teve sempre um acordo com Petrobras. Bahia limpa, Petrobras. O óleo está lá ainda e está aqui no fundo. Le pétrole est là-bas, au fond, et il continue de tuer. Tout le monde sait que dans la mer, on ne trouve plus de tamometa, ni de bagre jaune. Il n'y a plus de crevettes cette année, ni de pirao. Les poissons disparaissent. Jadis, on pouvait offrir des palombetas à nos amis. De nombreuses espèces ont disparu. Alexandre Anderson de Souza est président de l'AOMAR, une association de défense des pêcheurs de la baie. Il est venu aujourd'hui chercher l'adhésion de nouveaux membres. Vous êtes la résistance. Tant que vous aurez le courage de garder votre mode de vie ici, vous nous aidez, nous qui habitons dans la baie. Car la seule source d'eau propre qui arrive à la baie de Guanabara, c'est celle qui vient d'ici, de la rivière Macacu. Et c'est grâce à vous, car quand vous partirez, cet endroit deviendra une plateforme pétrolière, une raffinerie. Nous sommes ensemble dans cette lutte. Sa cible principale, le géant Petrobras et ses activités au cœur de la baie de Guanabara. Avec ses 14 plateformes pétrolières, ses deux ports commerciaux, ses deux raffineries et les dizaines de bateaux qui travaillent en permanence pour son compte, Petrobras est de fait un des plus gros pollueurs de la baie. Le 18 janvier 2000, la rupture d'un oléoduc de la compagnie nationale provoque l'un des plus graves accidents environnementaux d'Amérique latine. Le conduit percé vomit 1,3 million de litres de pétrole. 20 000 pêcheurs sont touchés pendant de nombreux mois. 16 ans plus tard, presque aucun d'entre eux n'a été indemnisé. Depuis, d'autres catastrophes ont meurtri la baie, toujours sans dédommagement. J'ai dans mes mains le jugement dans son intégralité. Je vais vous lire la première partie. Le 27 avril 2009 a été confirmée l'installation du gazoduc provoquant l'impossibilité de l'activité poissonnière dans la région. Nous demandons à Petrobras, solidairement avec la GDK et l'Océanique, qu'ils indemnisent les 96 pêcheurs impactés par ces installations de 3 fois le salaire minimum pendant 18 mois. Ça fait un peu plus de 42 000 reals chacun. Les juges se sont prononcés en notre faveur. C'est le verdict final. Ils vont l'exécuter cette année. Ça a commencé par une simple action civile de 96 pêcheurs, mais maintenant tous les associés de l'AOMAR peuvent en bénéficier. Et la preuve est ici. Voici la référence de l'affaire. C'est une action collective de l'AOMAR. On peut vous inclure, car vous aussi, vous avez été touchés. Convaincre, unir, fédérer les pêcheurs contre Petrobras, le combat d'une vie pour Alexandre. Un combat commencé il y a de nombreuses années déjà. Petrobras, quittez la baie de Guanabara. Laissez vivre la baie de Guanabara. Août 2012, Alexandre et ses amis pêcheurs manifestent devant les locaux de Petrobras, au cœur du quartier des affaires de Rio. Pêcheurs unis, jamais on ne sera vaincu. Pêcheurs unis, jamais on ne sera vaincu. Aujourd'hui, nous montrons au monde que ces actes criminels sont commis depuis des années sur la baie de Guanabara. Ils doivent être traduits en justice et sortis de notre zone de pêche. L'impunité, c'est ce que dénoncent les manifestants. La fin de leur mode de vie aussi. Est-ce qu'un jour on aura la paix ? Est-ce qu'un jour on sera enfin tranquille ? On pourra rentrer chez nous avec dignité ? Celle d'exercer notre fonction de pêcheur artisan. Petrobras va devoir nous entendre. Les pêcheurs ont le droit d'exister. Ce jour-là, malgré leur nombre, les pêcheurs ne seront pas reçus, comme d'habitude. Son engagement, son activisme, l'association AOMAR l'a déjà payé très cher. Face aux zones interdites à la pêche qui se sont multipliées ces dernières années, ces militants ont de nombreuses fois manifesté sur les sites et demandé des compensations financières pour la baisse de leurs activités. Quelques victoires à la clé devant la justice, mais aussi de lourdes défaites. Menacés, plusieurs pêcheurs ont même été assassinés, comme Paulo César Santos Souza en 2009, Almir Nogueira Amorim en 2012,
ou encore Luis Teles Penetra la même année. Les meurtriers n'ont jamais été identifiés, les commanditaires jamais inquiétés. À ce jour, aucune charge contre Petrobras ou ses sous-traitants n'a été retenue dans ces affaires. Nous retrouvons Alexandre chez lui. Pour sa sécurité, nous ne vous montrerons pas l'extérieur de son immeuble. Le pêcheur militant, lui aussi, a plusieurs fois été menacé de mort. Il a même par moments bénéficié d'une protection policière. Contraint de déménager souvent, lui et sa famille mènent depuis plusieurs années une vie de fugitif. Une cavale forcée, difficile à supporter pour sa femme. Nous avons très mal vécu cette épreuve. Ce qui est marrant, c'est que nous défendions les autres et que nous étions considérés comme des criminels. C'est comme si c'était nous qui attaquions les pêcheurs, alors qu'au contraire, c'était Petrobras. Toutes les semaines, tous les week-ends, nous étions obligés de prendre l'avion pour Brasilia, cachés. Nous ne pouvions pas passer le week-end avec nos enfants à la maison, avec nos petits-enfants. Lui, je n'ai commencé à le voir vraiment qu'à ses 3 ans. J'ai enfin pu m'occuper davantage de lui, jouer mon rôle de grand-mère. Avant, je ne pouvais pas. Notre vie était une course. C'est vraiment très dur. Je n'aime pas parler de ça. Ça me fait pleurer. Pour oublier leurs larmes, Alexandre et Daïs tiennent à nous montrer ce qui les fait encore tenir. Dans cette lutte, nous avons obtenu beaucoup de reconnaissance. La plus importante, c'est celle de la communauté. Nous avons reçu des médailles, la médaille Chico Mendes. C'est écrit là-dessus. Torture plus jamais. Gloire aux héros de la lutte pour la vie et de la dignité de l'homme. Nous avons reçu un prix national pour la défense des droits de l'homme. Là, nous sommes dans une conférence sur les droits de l'homme. J'ai participé à la table aux côtés des indigènes et d'autres personnes dans la lutte. Nous avons beaucoup de travail. Dans toutes nos réunions, nous arrivons à mobiliser beaucoup de pêcheurs. Nous tenons des rapports. Voilà par exemple une réunion que nous avons faite contre Petrobras. Regardez tous les pêcheurs qui étaient présents. Des réunions, des manifestations, des diplômes et des médailles, mais rien n'y a fait. L'industrialisation et la pollution de la baie de Guanabara n'ont jamais cessé. Allez, allons-y là, par ici. Ce matin, malgré le danger, Alexandre nous emmène au cœur de la baie pour nous montrer l'ampleur du problème. Ici, c'est le terminal de l'île Agoa. C'est ici qu'il y a eu la fuite de pétrole qui a pollué la baie de Guanabara en 2000. Regardez la quantité de conduits qui descendent dans l'eau. On ne peut pas rester longtemps ici. Là-bas, c'est un autre terminal de carburant. Terminal de Petrobras. Ils occupent toutes les îles et les eaux de la baie de Guanabara. Vous voyez, il y a des fuites. C'est pour ça qu'il y a des bouées. Les fuites sont constantes, les conduits sont vieux et défectueux. Depuis des années, l'or noir trouvé au large de Rio fait l'objet de toutes les convoitises. Plateformes, raffineries et bateaux ont poussé comme des champignons. Aujourd'hui, dans le coin, il doit y avoir 70 à 80 embarcations comme celle-ci, sans compter les navires. Juste des remorqueurs utilisés par les pétroliers. C'est énorme dans un si petit espace. Aujourd'hui, la baie s'est transformée en base arrière des champs d'exploitation. Une zone sous haute tension. On nous suit, là. Je pense qu'on nous suit. Ils n'aiment pas les tournages. En effet, ils n'aiment pas ça. La nuit, c'est encore pire si quelqu'un vient les observer et filmer les crimes qu'ils commettent.
parce qu'ils ne devraient pas travailler la nuit. Ils envoient leurs agents de sécurité. La nuit, ils peuvent être très violents. Ce que Petrobras et ses sous-traitants veulent cacher, les dégâts environnementaux quotidiens qu'ils causent au milieu marin. Fuite d'hydrocarbures, rejet de produits chimiques, le tout directement dans les eaux de la baie, sans traitement. Là, ce que nous voyons, c'est du dégraissant, un produit savonneux qui fait de la mousse. Ça met longtemps à se dissoudre. Il n'y a pas eu de vent, donc ça ne peut pas venir de l'agitation des eaux. C'est bien du dégraissant. Ils l'utilisent dans les remorqueurs lorsqu'ils nettoient les cales. C'est interdit par la loi, c'est un produit chimique déversé dans la nature. Je ne pense pas que ce soit très sûr de faire ça. Regardez, regardez-moi ça, ce produit savonneux. Je ne sais même pas si on a le droit de faire ça, si ce n'est pas dangereux. Ça a une odeur. Parfois, ils ont des pénalités, ils sont identifiés, mais il n'y a pas vraiment de volonté des services publics de résoudre la question. Regardez, ça colle un peu. Regardez cette couleur. Cet endroit, c'était une île merveilleuse. La construction est récente, ça a commencé en 2009. Celle-ci, c'est l'île Complida. Regardez la couleur du liquide qui sort des tuyaux et l'odeur que ça a, c'est plein de produits chimiques. Ça a la même odeur que la mousse que nous avons traversée tout à l'heure. Si l'inspection vient les voir, ils leur diront qu'il s'agit de l'eau des pluies ou de l'échappement des gaz de refroidissement. Mais sentez cette odeur, ce sont les dégraissants qu'ils utilisent. Un non-respect de la loi très rarement sanctionné. De quoi écœurer Alexandre? Il n'y a pas de contrôle. Où est la police fédérale et les services de sécurité publique? Corruption, collusion, arrangement entre amis, Alexandre a souvent dénoncé cette réalité quotidienne au Brésil. Peine perdue. Aujourd'hui encore, les autorités continuent d'afficher leur optimisme. Pour l'instant, ils disent que c'est une baie de Guanabara olympique. On voit déjà que ce ne sera pas si olympique. Donc après les Jeux, elle va devenir quoi cette baie? On parlera encore d'une baie ou alors simplement d'une zone portuaire pour les pétroliers? Gigantesque port pour l'industrie pétrolière, la baie possède pourtant encore quelques trésors. Nous sommes avec José Laison Brito, océanographe et professeur à l'Université de Rio. Là, on s'approche de la zone la mieux préservée de la baie de Guanabara. C'est le secteur nord-est, de l'île de Paquetá jusqu'à la baie de Guapimirim. C'est la zone protégée la plus importante de la baie de Guanabara. Il y a des marsouins autour de nous et jusqu'au fond de la baie. C'est là où il y en a le plus. On va essayer de se rapprocher. Le dauphin, l'emblème même de Rio. Un résident permanent qui voit son habitat, son lieu de vie, rétrécir chaque année comme peau de chagrin. Aujourd'hui, les animaux se sont réfugiés ici, dans cette zone de protection environnementale de Guapimirim. Par rapport aux autres, c'est la zone qui a subi le moins de dégâts dans toute la baie. Mais ce petit paradis est aujourd'hui menacé. Même ici, les bateaux liés à l'industrie pétrolière commencent à grignoter la zone. La société Docash, qui gère l'ancrage sur la baie de Guanabara, a proposé un élargissement de cette zone. Contrairement à toutes nos revendications, ils ont proposé une extension de la zone d'ancrage jusqu'au fond de la baie. Pour nous, cette proposition est totalement inacceptable aujourd'hui. Les navires ne bougent pas, mais ils émettent du son. Quand on plonge un hydromicrophone sous l'eau, on entend le bruit qu'ils produisent. Ici, dans la baie, par exemple, l'eau n'est pas très transparente.
À cause de ça, sous l'eau, les dauphins voient mal ce qu'il y a autour d'eux. Donc comment voulez-vous qu'ils se déplacent? Comment font-ils pour chasser? Comment cherchent-ils leur nourriture? Comment communiquent les mères et leurs petits? Et les couples entre eux? Normalement, ça se fait par le son. Donc n'importe quelle interférence acoustique, n'importe quelle pollution sonore sous l'eau va les perturber. Les marsouins sont au sommet de la chaîne alimentaire de la baie de Guanabara. Les animaux en tête de la chaîne ne survivent que si leur environnement est sain. Il y a un grand risque de disparition. Si on ne fait rien, si on ne change pas notre façon d'occuper la baie, cette population a peu de chances de pouvoir résister. La pollution sonore, un ennemi invisible, mais redoutable pour les dauphins. De retour au laboratoire, Lise Bettencourt, membre de l'équipe de José, analyse les enregistrements sonores qu'elle réalise régulièrement. Dans son ordinateur, la mémoire acoustique de la baie depuis 10 ans. Ces lignes sont le signalement d'écolocation des marsouins. Quand ils émettent un ultrason, ils attendent que l'écho revienne à eux pour localiser leur nourriture. Je suis en train de vous sélectionner trois types d'enregistrements de deux régions différentes de la baie de Guanabara. Ce toc-toc que vous entendez, ce sont des bruits de poissons. L'environnement naturel, c'est ça. Des bruits d'animaux, le mouvement de l'eau. Quand on écoute un son qui provient d'une zone remplie de navires, vous allez voir que c'est beaucoup plus fort. Le bruit est bien pire. Imaginez un animal qui vit dans une zone aussi bruyante et où on entend cela 24 heures sur 24. 24 heures par jour, tous les jours. Une forte concentration de bruit sous-aquatique ne va pas tuer les animaux, elle n'a pas d'impact direct sur eux. Mais ça cause des problèmes de stress. Ça réduit la capacité du système immunitaire de ces animaux. Un danger réel pour les dauphins. Ce constat, Raphaël Ramos le fait depuis de nombreuses années déjà. Biologiste à l'Université de Rio, il répertorie les mammifères de la baie grâce à un catalogue photographique riche de milliers de clichés. On peut observer que cet animal a différentes marques tout le long de sa nageoire. Elles sont apparues avec le temps à cause des interactions avec les autres animaux et avec son environnement. Cela nous sert d'empreinte digitale pour reconnaître chacun de ces animaux. Avec cet outil, à long terme, on arrive à déterminer la taille de cette population. Et c'est grâce à cette technique d'identification photographique que l'on arrive à savoir que la population des marsouins de la baie de Guanabara est de 37 animaux. Des années 80 à aujourd'hui, on est passé d'une population d'environ 400 à 37 animaux. C'est une réduction de 90% de la population en presque 30 ans. Les dauphins qui naissent ne survivent pas. Les quelques adultes qui sont là vivent ici depuis 20 ans et même plus. On s'en est rendu compte grâce à notre technique d'identification photographique. Mais on voit que parmi les animaux qui naissent, il y en a plein qui n'atteignent pas l'âge de se reproduire. Ça brise complètement le cycle. Dans 10 ou 15 ans, si l'on continue sur ce rythme, on finira par perdre toute la population. La baie de Guanabara, poubelle de Rio, deviendra-t-elle bientôt son cimetière ? Mario Moscatelli est convaincu que la fin est proche. Régulièrement, il alerte l'opinion pour réveiller les consciences, avec un goût très prononcé pour la mise en scène.
aujourd'hui, direction la plage de Botafogo, juste en face du pain de sucre. Je me demande pourquoi les gens ont si peur des cercueils. Pose-le ici. Maintenant, on va chercher la banderole. Pour nous qui habitons ici, c'est une honte. Ce matin, Mario Moscatelli a convoqué la presse pour un enterrement symbolique de la baie. Des années qu'il dénonce une situation aujourd'hui sur le point de non-retour. C'est une plage considérée impropre à la baignade toute l'année. L'une des cartes postales de Rio de Janeiro a été transformée en toilette publique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des décennies de négligence, de manque de responsabilité, d'impunité, de malversation. Et notre illusion, c'était les JO. Malheureusement, ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on la verra propre. Et vous seriez prêt là à faire du paddle ? Ah, jamais de la vie. Vous allez voir les habits que je vais enfiler pour mettre les pieds là-dedans. On ne prend aucun risque. Celui qui rentre dans l'eau risque de choper une gastro, une otite, une conjonctivite ou même une hépatite. Les autorités gouvernementales savaient. Elles étaient au courant pour la baie de Guanabara. Ils avaient promis d'agir pour l'environnement, mais ils n'ont rien fait. Voici le résultat. Quelle honte! À toi, la baie de Guanabara. Chère baie. Je te demande pardon pour moi, pour ma famille et pour mes amis. Nous sommes tous ici remplis de regrets. En tant que biologiste et citoyen de Rio de Janeiro, je prie pour le salut de la crique de Botafogo. Assassinée jour après jour, mutilée, par l'incompétence, par l'impunité, par les malversations des pouvoirs publics brésiliens et par l'apathie et la passivité de son peuple. Le jour où je te verrai propre, je suis sûr que je ne serai plus sur Terre. Je serai dans un lieu où la plupart des politiciens ne rentreront jamais. Un cri, une colère afin de provoquer un ultime sursaut politique et citoyen pour sauver cette plage, vitrine du pays aux yeux du monde entier. Rio, ville olympico fécale. Ce sont les premières Olympiades fécales postmodernes. Mario le sait, son appel a peu de chances d'être entendu. Reste alors la pédagogie envers les plus jeunes. Tu vois, petit, ce n'est pas possible de se baigner par ici. Tu vois le trou ? Il y a du caca qui sort sans arrêt. Alors si tu rentres dans cette eau, tu as déjà eu mal au ventre ? Eh bien là, tu auras plus mal au ventre que tu n'as jamais eu de toute ta vie. Donc tu ne peux pas te baigner. Ah, c'est vraiment dommage. Ce qui se passe aujourd'hui dans la baie de Guanabara, c'est du terrorisme environnemental d'État. Les pouvoirs publics, qui devraient être en train de protéger nos ressources naturelles, parce qu'ils sont payés pour ça, sont en train de les détruire. Ça, c'est du terrorisme environnemental d'État. Des mots provocateurs, très forts, très durs, mais une situation effectivement proche de la catastrophe. Malgré nos demandes répétées pendant des mois, ni Petrobras, ni la municipalité de Rio, ni le gouvernement n'ont accepté de répondre à nos questions. Aujourd'hui, la situation de la baie reste sous-estimée, d'autant que la pollution la plus dangereuse n'est pas forcément la plus visible. Dans ce laboratoire de microbiologie, on cultive des bactéries pour mieux les étudier.
des recherches indispensables pour trouver les futurs remèdes à des souches devenues résistantes aux antibiotiques. Surprise ou pas, certaines d'entre elles ont été trouvées dans la baie de Guanabara. Face à une bactérie comme celle-ci, résistante à plusieurs types d'antibiotiques et que les médecins ne sont pas en mesure de traiter, la plupart des patients vont sûrement mourir. Les personnes âgées, les enfants, les personnes avec immunodéficience ne résisteront pas parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques pour les traiter. Ces bactéries n'appartiennent pas à la baie de Guanabara. Elles ne devraient pas être là, elles ne font pas partie de la faune de la baie. Elles ont été amenées là-bas. Il faut que l'on creuse cette question pour savoir comment elles sont arrivées là. Ces bactéries proviennent d'un hôpital. C'est très étonnant. Elles sont aussi présentes dans l'anse de Botafogo et dans la Marina de la Gloria. Elles peuvent être dans n'importe quelle plage de Rio ? Oui, c'est possible. Si elles ont été retrouvées dans l'anse de Botafogo et dans la Marina de Gloria, c'est qu'elles sont dans la baie. Et si elles sont dans la baie, n'importe quel courant d'eau peut les amener sur la plage. Cette inquiétude provient d'un rapport sorti en 2013. Une étude conservée précieusement ici, d'autant qu'elle s'avère impossible à trouver aujourd'hui sur le net. Impossible aussi de rentrer en contact avec les deux scientifiques qui l'ont menée. Des bactéries dangereuses pour la santé qui infestent la baie. Pour beaucoup ici, les autorités ont voulu étouffer l'affaire. Je ne peux pas l'affirmer parce que pour l'instant je n'ai pas de preuves, mais je pense que ces bactéries viennent des égouts. Les travaux de Mario Moscatelli l'ont déjà plusieurs fois prouvé. Imaginez ça à Botafogo où vont se dérouler plusieurs épreuves olympiques avec des athlètes. Imaginez qu'un athlète ou quelqu'un d'autre soit contaminé avec cette bactérie et qu'il a un système immunologique faible. Il va croire qu'il a une petite infection facile à traiter. Mais s'il s'avère que c'est une infection sérieuse, provoquée par une de ces bactéries, il n'y aura pas d'antibiotiques pour le soigner. Est-ce que vous déconseillez d'aller à la plage à Rio ? Je suis née et j'ai grandi ici. J'adore la plage et j'ai passé mon enfance à la plage du Flamengo. Mais je vais vous dire une chose. Depuis 8 ans, je ne me baigne plus. Je vais à la plage, mais je ne rentre plus dans la mer. Les bactéries retrouvées dans la baie sont résistantes aux antibiotiques, mais heureusement beaucoup moins au sel et au soleil. Leur présence dans ces eaux montre malgré tout l'ampleur des problèmes de voirie et d'épuration des eaux usées à Rio. La zone qui ne connaît que trop bien cette situation, c'est le nord de la ville. Là-bas, d'immenses bidonvilles font face à la baie de Guanabara. À leurs pieds, la fameuse plage de Ramos. Feijão est un habitué. Tous les week-ends, il se rend en famille au bord de mer. Aujourd'hui, comme souvent, la plage est quasiment déserte. Ici, c'était la plage de Ramos. C'était un grand succès dans les années 80. C'était sensationnel. Il y a énormément de travail ici. Beaucoup de choses à faire pour sauver la baie. Aujourd'hui, c'est impossible de se baigner. C'est très sale. Il y a quoi là-dedans ? Il y a de tout ici. C'est la baie de Guanabara. Il y a toutes sortes de pollution. Une plage de plus impropre à la baignade. Une plage où seul le sable est nettoyé régulièrement comme pour cacher la misère. Alors juste derrière la plage, la mairie a créé il y a 10 ans un lieu insolite, la piscine de Ramos. Un immense lagon salé artificiel de 26 000 mètres carrés. Le seul endroit où les favelados des quartiers nord peuvent encore se baigner. L'eau de la piscine vient de la baie de Guanabara. Elle rentre par là, et là-bas, elle passe par un système de filtrage avec du chlore.
dans cette machine. Et ensuite, elle est rejetée dans le bassin. L'eau arrive par ces canalisations. Et il y a une valve pour éviter qu'il n'y ait trop de chlore dans l'eau. 30 millions de litres d'eau de mer sont traités chaque jour avec 3000 litres de chlore. La piscine de Ramos est censée avoir l'eau la plus propre de Rio. Mais plusieurs études ont montré ces dernières années qu'elle s'apparente plus en réalité à un bouillon de culture. Le nettoyage de la baie de Guanabara ne passera pas par des solutions gadgets comme la piscine de Ramos ou par des mesures cosmétiques comme les éco-barrières. Il faudra une vraie volonté politique, une politique honnête et durable. Dans la situation politique actuelle du Brésil, un espoir qui tient du miracle.